Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Italo 1999-1960. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8, je crois bien, oui. 8 de notre Let's Play sur Far Sky. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va bien visiter les profondeurs. On va essayer de récupérer le maximum de pièces. Écoutez, faut bien qu'on avance. Donc, on a pu voir dans le dernier épisode qu'on avait réaffronté. Enfin, vous avez pu voir qu'on a réaffronté les Kraken. Et qui se déclenchait à partir de cet élément-là, le cristal. C'est dès qu'on essayait d'en prendre un tout petit peu, enfin d'en prendre un, direct, ils apparaissaient. Du coup, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va plus toucher au cristal, plus jamais. Parce qu'on a, on a récupéré un petit élément, on s'est fait notre base en profondeur. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de récupérer pas mal de pièces aux alentours de notre base en profondeur. On va essayer d'aller récupérer notamment la pièce qui est là. Donc attention, hein, c'est la première fois que je vais visiter aussi loin. Donc toujours un peu d'anxiété, hein. Vous devez me connaître un peu de moi. Je suis soufflé. Mais qu'est-ce qu'ils ont, sérieux? Oh, moi. Allez hop, c'est je suis quand même un peu anxieux hein, parce que vous savez très bien que maintenant vous savez très bien que j'ai assez peur des l'océan, surtout des fonds océaniques. C'est ça qui me fait le plus peur. Il m'a fait flipper celui-là. Oust. Attends, allez, casse-toi. 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 Ouch, allez, c'est qui? Oh. Oh. Chut. Merci. Voilà. Voilà, hop, hop, voilà. Donc on va aller juste prendre un peu plus d'oxygène dans cette base en bas. Voilà. Pouf. Oh le banc de méduse, oh le banc de méduse. Hey hey, coucou, ça va les gens? Hop, voilà, hey. Attends, elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Nananananer. On les nargue un peu, hein, on a le droit. Après tout, elles m'ont fait sursauter. Elles me cherchent. Hein. C'est ça qui est assez ouf. Donc on va essayer de partir dans cette direction. Non. On va essayer de partir dans cette direction là-bas. Pour aller chercher la petite pièce qui s'y trouve. Alors peut-être rencontre de nouveaux ennemis. On n'en est pas sûr. C'est quoi qu'il y a au sol? Bah, par contre aussi je voulais voir juste quelque chose qui m'intriguait. Oui voilà. Ici il y a ça, le truc blanc là que vous pouvez voir en bas à droite. Vous pouvez pas voir ma souris, mais il y a le truc blanc en bas à droite qui nous sert à améliorer notre équipement. Et je vois qu'il y a deux pièces, une vraiment. Non, pas si à côté de l'autre, que ça. Ah, j'ai vraiment pas envie d'y aller, genre ça. Ça, excusez-moi, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais bon. Allez, on prend une grande inspiration et on y est. Même les poissons me font flipper. Coucou les médoses, ça va? Ouais, ça va. Ouais, check ma pote, c'est ça, les cassos. Vous me suivez? Bah, me suivez pas, tout va bien. Aucune pression, tout va bien. Coucou les méduses, ça va? Check ma pote. Bah, cassez-vous, j'aime pas. Non, non, mais je vous aime pas, les filles, je vous aime pas. C'est pas contre vous, mais je vous aime pas. Hein. On va essayer de rusher les pièces, hein, tout simplement. Yop! Voilà. Yop là. Et une. Et merci casse-toi. Merci casse-toi. Ils veulent nous montrer le sous-marin. On descend encore un peu plus par là. Ok. Tout se passe bien. Tout en douceur, on ne panique pas. Je vous jure que pour le coup, mon cœur bat la chamade. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va pas essayer de s'aventurer pour le moment vers là-bas. Il y a un coffre là, on va déjà être bien gentil de le prendre.
Oh, j'aime pas ça. La musique s'est arrêtée. Ah, petite musique qu'on connaît. Coffre de merde. Ok, donc on a récupéré notre cinquième pièce. Déjà. Bon, allez, on va essayer d'y aller là-bas. J'ai le bouton sur espace si jamais il se passe quelque chose, hein. Sur échappe. J'aime pas ces bruits. Ah! Coucou les méduses, tranquille la famille, ok, au calme. Ah, mais c'est les méduses, ça. Wow. Ça a l'air d'être les. Les bords de la map. Non, ça descend encore? Ouais, dites, ça descend encore. Bon, c'est saison en. Very profondeur, on va dire. On s'y garde pour la toute fin du let's play. Il faudrait compte que j'arrive à transpirer de peur. C'est affolant, c'est affolant. On va plutôt aller visiter la base qui est par là-bas. On n'a pas eu encore l'occasion de la visiter. Il ne reste plus que 4 pièces. On est deux. Oh, on est. J'arrive plus à parler. On est plus. En gros, ce que je veux dire, c'est que la moitié du let's play s'est passé. On est un peu plus de la moitié. Voilà, ok, tout va bien. Allez, hop. Coucou. Alors, quand je pense que notre base a quasiment fini comme ça, ça fait un peu peur. Hein. Hop, voilà, on prend tout. Peut pas prendre ça, alors que ça, quand même, la bouffe, c'est ce qu'on veut. Green bean, ok, donc ça, on s'en fout. On fait les patates, voilà quoi. Le manganèse, on en a comme on veut. Tac, ok, ça on peut récolter. Ça on peut récolter. Si c'est pris, et si c'est pris. Ok, bien. On va visiter un peu plus s'il y a. Je sais pas si cette base on peut la. Faites voir. J'ai du fer sur moi? Oui, j'ai 52 de fer. Je sais pas si cette base on peut la rénover. Essayer de rénover cette base entièrement. Ça me semble possible, hein. Parce que franchement, elle est assez grande, elle est assez cool, soit. Tac. Tac. Ok. Donc chaque pièce, au moins, il y a un minimum de trucs. Ok. Ici, c'est bon. Les gros trucs c'est qu'ils sortent. Que okay. Si c'est bon. Ça fait le son d'une fuite hein, à chaque fois. Ok donc ici. Hop. Quand même ça part assez vite là pour le coup le fer. Ok. Donc ici non. Ici non plus. Hop, on descend. Ici non. Si, je veux juste passer. Ici non plus. Bah, dites pas qu'on a déjà tout réparé. Si. Non, je pourrais pas y croire. Si, peut-être. Toi, ça descend. Et ouais, le niveau de l'eau descend. Bon, mais on s'approprie cette base, écoutez, hein. Ouais, génère juste un peu plus, voilà. Écoutez, on va se l'approprier tranquillement. On va piller un peu les coffres par là. On va essayer de faire tout le tour. On va essayer de faire oui, tac. Ça récupère quelques pièces. Écoutez, on a réussi à s'approprier cette base, c'est plutôt cool. On reste encore temps de faire. Et allez, on va continuer notre petite exploration. Tac. Encore des méduses. Possible ça. Ah, confrontation peut-être avec un nouvel ennemi. Non. Non. D'accord. Ils ont l'air tellement de nous snober ces ennemis, sérieux. Ah, ouais. J'ai pas les bandelettes. Voilà, j'ai les bandelettes. Soyez gentil. Soyez très gentil.
Donc ça, on s'en fout. Voilà, tranquillement. Non, ça, on reste un peu plus en profondeur. J'ai toujours pas confiance, mais on reste un peu plus en profondeur. Ouh, l'extracteur, ça, il pourrait peut-être m'intéresser. Ouais, on va changer à la place de ça. Je pense que jamais j'aurais fini le jeu si je devais le faire juste pour moi, tout seul. Ouais, non, mais non. Ah, il veut attaquer. Ah, mais il est moche! Mais il est tellement mal modélisé! Mais regardez-moi ça! Il est tellement... Vous voyez pas le problème? J'ai réussi à récupérer sa viande. Alors que voilà quoi. Bon, on va juste rentrer à la base parce qu'on va se faire cuire un peu de bouffe, sinon on va pas durer très longtemps. Ah, donc on remonte. Mais ce truc en fait il est juste qu'avait utile hein, ça. Ok, ils ont pensé à tout en fait les développeurs. Ok, voilà. Donc aujourd'hui pas de Kraken hein. C'est bon, maintenant on sait pourquoi ils apparaissent. Et on va faire des petits bugs de chunk. C'est marrant. Je suis avec ça, mais dis pas qu'il peut pas remonter à la surface. Regardez, je suis. Franchement, je suis à 70 mètres de la surface. Voilà quoi. Genre t'es quelqu'un ne peut pas venir juste 2 minutes me récupérer. Non non, faut bien que je me démerde tout seul. Bref alors, le petit charbon, c'est vrai que ça on avait mis. Le charbon on prend. Tac. Et après on va voir les profondeurs. Encore une fois, on continue toujours à visiter. Hein. Et vous voyez, je me sens tellement mieux ici. Encore en bas, mais je stresse comme un fou. Alors là, je cherche pas. Toc. Ok, c'est bon, j'ai compris. On va attendre, hein, juste pour la magnifique cuisson. C'est fou comme je déteste ça. Je suis fou, quoi. Ok, d'accord. Et... pas grave. Non, ça doit être moi qui délire. Peut-être. Sûrement, même. Hop. Hop, on dépose les munitions ici. On garde ce qui est en copper avec nous. Alors, après. Ça, on peut le mettre là, sans la place, sans la... pas la place du coup, ça on va remove. On jette, enfin on jette impitoyablement notre équipement. Alors extracteur, 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 extracteur. Non, viens par là toi. Hop, attendez. Mais juste le poisson là, avec la lampe sur le crâne, il était tellement mal modélisé, sérieux. Une horreur. C'est plus le fait qu'il soit pas bien modélisé qui me fait peur que le reste. Ok. On fait cuire un peu toute la bouffe là. Session cuisine aujourd'hui. Pour faire bien cuire du barracuda. Il vous faut faire une température de 180 degrés avec du charbon des profondeurs. Sinon, il ne sera pas très bien cuit. Bref, je vous donne un petit cours de cuisine, hein, comme ça. Ça peut toujours être utile.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc. Voilà. Le faire, on va juste. Tac, voilà. Faire disparaître. Ce qu'on va faire, bah, toute la bouffe, on va la garder sur moi, et puis voilà. Juste ça qu'on va laisser là. Les carottes aussi. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va se diriger vers où? On va se diriger vers où? Voilà. On va se diriger vers là-bas. On va essayer d'aller sauver la base là-bas aussi. C'est pour ça qu'on va se prendre du fer, au final. Je pensais pas qu'on en aurait d'utilité. Tac, voilà, et on y va. On a réussi à s'approprier scrupuleusement une base sous l'océan. Ah oui, aussi un truc que je voulais tester, oui. Voilà. Parce que c'est bien beau qu'il fasse sombre à côté de notre base. Mais voilà. Et non. Oui. Non. Oui. Là. Non, je vais pas faire des armes améliorées. Mais. Bon, ce que c'est là, oui, voilà. Ça se fait du fer et des bouboules d'énergie. On va se faire des lampes, écoutez. Sais même pas ce que ça donne des lampes. Enfin, ce que ça fait. Pouf! Ah ouais, non, mais le truc, ça déconne pas à chaque fois. Puis c'est censé faire quoi? Censé attirer les ennemis. C'est nul. C'est complètement nul à chier. Regardez. Je fais ça. Ça fait strictement rien. C'est nul. Ça attire les ennemis. J'y crois pas. C'est de l'arnaque ce truc. On y va. On y a, sinon je vais rester à regarder les lampes, les torches, on va dire, comme ça pendant 1 heure. Notre objectif se situe par là-bas. Ah merde, mais je crois qu'on, enfin, que je prends un peu plus confiance en moi, en ce let's play. Je vous jure tout de même qu'il me fait assez flipper. Ouais, je sais, c'est con, hein, c'est des poissons. Et de savoir que c'est réel, qu'il y a vraiment ça au fond des océans, je sais pas pourquoi, mais voilà. Parce que ça, il faut savoir que les barracudas, les requins, les méduses et tout le bordel, ça existe, hein. Si vous ne le saviez pas encore, voilà, maintenant vous le saviez. Vous le savez, voilà. Sting. Ok. Ces coffres, on les a normalement visités. On va aller voir la petite base là-bas. Toujours pour de ça, hein. On prend peut-être confiance, mais on n'est pas fou, hein. Enfin, je suis pas fou. Oula. C'est quoi ça? Allez. C'est quoi ça? C'est un frilled shark meat. C'est censé être un requin ce truc. Cette merde, c'est censé être un requin. On dirait plutôt un lézard écrasé, enfin qui a été écrasé et qu'on a mis dans l'eau. Bon. Enfin, je dis, parfois c'est mal modélisé. Je crois à la base que c'était un alligator. Bah, je sais, c'est complètement con, mais. Je crois que c'était un alligator. Si on arrivait à avoir une deuxième pièce dans cet épisode, ça serait plutôt pas mal. J'ai toujours un stress monstre, mon dieu. Je sais, maintenant il peut. Il peut plus rien nous arriver, hein. Ça je sais. Hein. Allez savoir.
Hein? Ouch. Si? Ah non. Je me prépare, oh non. Oui. Alors voilà. Hungerfish. Ça c'est quoi un Hungerfish? S'il vous plaît, hein, parce que là. J'irai voir ce que c'est un Hungerfish. Ok, 6 pièces sur 9. Okay. Mais c'est cool, il nous en reste plus que 3 à trouver. Écoutez. Plutôt pas mal, puis après on quittera ce let's play. C'est bon. On fera pas un épisode déco, hein, vous inquiétez pas, on créera pas une sur. Pimp my house, pimp my meuf et pimp. On va pas faire pimp my. Ma base sous-marine pour que je me fasse tuer par le Kraken encore plus facilement. Ça laisse tomber. On va récupérer l'or et ensuite on remonte à la base. On aura fait une bonne expédition. Coucou. Eh. Qu'il me fasse pas le coup que je peux pas le récupérer. Du coup, on va se débarrasser de ça. On s'en contrefout. Voilà. Parce que ça fait oui, vous pouvez le récupérer, mon cul, ouais. Voilà, allez, on remonte. Donc pour résumer cet épisode, beaucoup de courage était en nous aujourd'hui. On prend beaucoup, enfin, je prends beaucoup plus confiance dans le jeu. Je pense que ça se sent à ma voix, même si j'ai bien flippé en début d'épisode. Mais bon, moi ce jeu, ça me permet de me confronter à mes peurs les plus obscures. Et je sais plus où est ma base. Elle est par là-bas. Ah, et donc dans le prochain épisode, je pense que... Oh, voilà, on va... Mais écoutez... On va aller chercher ce petit minerai là, qui m'intrigue énormément, et regardez, il nous reste plus que 3 pièces, 3 pièces qu'on peut voir. On peut les voir, qui sont assez espacées, mais aussi dont les profondeurs sont encore plus grandes. Voilà, c'est pareil, cette peur me rappelle quand j'étais petit. Jouer à Zelda Twilight Princess ou Ocarina of Time ou encore Majora's Mask. Bref, quand je jouais sur les Zelda en console de salon, parce que ouais, j'ai jamais eu de mal quand on jouait Link Cartoon. Enfin, quand je jouais Link Cartoon sur les Zelda, j'ai jamais eu de mal. Par exemple, sur Phantom Hourglass, Spirit Tracks ou bien encore False World Adventures, j'avais aucun mal. Mais dès que j'avais passé sur Majora's Mask, Twilight Princess, ou bien... J'ai bien... Regardez, ils disent que je peux le récolter, mais non. Non. Ou soit sur Ocarina of Time, Majora's Mask ou Twilight Princess, voilà. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je me bloquais. Bon, par exemple, pour Twilight Princess, c'était... Pour tout, quoi. Sur Ocarina of Time, c'était pour... La caverne d'Odongo et le temple de l'ombre. Bon, pour moi, genre masque, c'était tout, tout simplement. Les marées me faisaient flipper, je sais, c'est complètement con, mais ils me faisaient flipper. Hein. Bon, bref, j'arrête de raconter ma vie, on met terme à l'épisode. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a récolté en tout 6 pièces sur 9. On en a récolté 2 aujourd'hui. On a bien avancé. On prend un peu plus confiance en nous en ce qui concerne les fonds marins. Donc voilà, donc si vous avez vu la poussée de mon courage, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et de lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir si je m'améliore ou non. Allez, c'était Italo 1999, 1960.